Millions d'années que je dormais dans la tour quand un méchant coup de pioche me trancha avec le col et me fit effectuer une gracieuse courbe à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu consolider la face, on se mit à broncer mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on doit être faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain je devins une vedette, journaux, télévision, il n'y en avait que pour moi, tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Vité, Anthropus, Erectus, Erectus albanien, moi qui étais chaud lapin. Et ces messieurs savants, à petits épincelés, sur le vu d'un petit os ou d'une prémolaire, comprirent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui a sommé au roc, bison et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calipiche au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonne manière. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hermières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était, voilà maintenant, bien 3 millions.